Et là, comme il fait beau, on s'est dit, bon là, on a fait le côté un peu plus sérieux, on va faire un côté plus léger. Et je parlais au président de la Société Saint-Jean-Baptiste, qui dit qu'il a le goût de faire de quoi d'un petit peu plus... un petit peu plus dangereux, un petit peu plus différent, qui sort du cadre un peu, de quoi d'un peu plus grattonien, appelons-le comme ça, en faisant référence à un certain film, sans nommer tout le nom du film, mais ça commence avec Elvis. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne. J'ai bien hâte de voir ça. Qu'on accueille le président général de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, M. Maxime Laporte. Bonjour tout le monde! Ça va bien? On a en masse marché? Ouais! Ah! Fait qu'il paraît qu'il y a encore du monde au Québec qui veulent séparer la province du Canada. Je gâche qu'il y en a ici aujourd'hui à part de ça. Ouais! C'est des folies ça, madame! Des folies! Comme dit Sugar Sammy, qui a remplacé récemment Elvis Gratton comme porte-parole des intellectuels pour le nom, il y a deux sortes de Québécois. D'une part, t'as les Québécois éduqués, cultivés, bien élevés. Puis t'as ceux qui ont voté oui. Hein? Fait que, quand t'as deux cents d'intelligence, là, hein, ça prend pas la tête à Papineau, tu choisis ton camp. Fait qu'en tout cas, bonne fête de la reine. Vous savez quoi, il y a un sondage qui dit que 86% des Québécois sont pour l'abolition de la reine. Hey, mais où s'en va le monde? Où s'en va le monde? Qu'est-ce qu'elle vous a fait, la reine? C'est vraiment injuste. Et vous voyez, c'est là que ça mène la démocratie. Le pouvoir par les caves qui font des menaces, puis l'intimidation, qui s'en prennent une pauvre vieille femme sans défense, qui sont des mangeurs de bébés royaux. Non, moi je souhaite bonne fête de la reine, parce que bon, c'est bon de célébrer nos héros, hein, puis nos maîtres à penser. Parce que comme disait Sir George Étienne Cartier, père fondateur du Canada en 1865, et je cite, « Nous travaillons à fonder ici une grande confédération canadienne, mais notre objet n'est point de le faire par la création d'institutions démocratiques. Non, non. C'est plutôt d'aider l'élément monarchique à prendre parmi nous de plus profondes racines. » Fin de la citation. Alors, vous avez compris, aider l'élément monarchique à prendre parmi nous de plus profondes racines. Pas devenir une république de bananes, là. Alors, je comprends pas pourquoi il y a encore des chialeux au Québec qui aiment pas le système. Sans doute, la gang de gauche du plateau, les étudiants de l'UQAM, ils voudraient que tout soit gratis, la santé gratis, l'éducation gratis, le bien-être social gratis, l'écologie gratis, exister gratuitement. Mais qu'est-ce que ça peut même faire à moi qu'il y ait des pauvres? Ils ont juste à faire comme moi, puis à imprimer de l'argent. Hein? C'est pas... Il y en a qui disent que le français recule à Montréal. Ben, tant mieux, c'est une bonne affaire, ça, je pense. On se prend pour qui, nous? Tu sais, il y a 300 millions d'anglophones en Amérique du Nord. L'anglais, c'est the langue, hein? Hein? Puis nous, les petits fraîchiers, on voudrait pas se conformer. Hey, dans la vie, là, faut se conformer puis prendre son trou. Si tu te conformes pas une fois, un coup de matraque. Si tu te conformes pas deux fois, une bombe lacrymogène d'en face. Si tu te conformes pas trois fois, on te crève un œil, on te pète les dents, puis ah ouais, en prison avec les Hells et les pédophiles. Non, mais qui se la ferme, les chialeux, les patrioteux. Ils réalisent pas à quel point ils sont bains, ils citent. Hein? Aimerais-tu mieux une guerre de sécession comme en Ukraine puis en Islamie? Quand tu regardes les manifestations étudiantes à TVA, tu vois où ils prennent leur influence? L'État islamique puis les carrés rouges, même tactique, même combat. C'est Richard Martineau qui le dit. Puis les séparatismes. Harper, là, il fait juste sa job. Sont-tu jaloux? Hein? En tout cas, moi, si le Québec se sécessionne, je déménage aux States.
Non, mais tu mords pas la main qui te nourrit, tu sais. Même les chiens comprennent ça. C'est un peu... Les patriotes sont complètement déconnectés des vraies affaires, comme dit Couillard. Toute une feuille de route, d'ailleurs, Couillard. Il voyage en Arabie Saoudite, partout dans le monde. Il a pas peur, lui, de parler en anglais, en Islande, puis partout, hein, parce que lui, il n'a pas de complexe d'infériorité. Hein. Un de ses bons amis, c'est Arthur Porter, tu sais, pas n'importe qui. Il a travaillé au service secret, au service de sécurité du Canada, conseil privé de la reine. Lui, c'est mon homme. Hein. Lui, il connaît ça, les vraies affaires. Puis le séparatisme, patriotisme, là, c'est pas ça, les vraies affaires. Les vraies affaires, là, c'est l'économie. C'est l'économie, là. Puis l'économie, c'est que tu coupes dans tout ce qui est pas économe. Tu sais, c'est... Puis avant de faire l'indépendance, il y a bien d'autres choses à faire, là. Bien d'autres choses. Des nids de poules à grandeur, des nids de poules à réparer. Il y a des égouts qui refoulent. Il y a des toilettes publiques qui refoulent. Il y a des ministres de la Santé qui refoulent. Tu sais, tu peux pas voir, je fais ça. C'est puis le Canada, c'est pas le goulag. C'est pas le goulag. Puis si, comme le pense la gang de racistes fermés sur eux-mêmes qui veulent détruire le Canada, et je vous rappelle que le Canada, c'est le plus meilleur pays au monde, on n'est pas loin du pays des merveilles, là. C'est pas rien. Fait que si le Canada, c'est une prison pour les Québécois et les Autochtones, ben je regrette, ben c'est une méchante belle prison. Elle est pas mal dorée, cette prison-là. Puis si vraiment le Canada nous enchaîne, là, je vais vous dire que c'est une méchante, c'est des méchantes de belles chaînes, des chaînes en argent. Hein? Il y a du monde là qui font les bijouteries pour avoir ça. Fait que on est pas mal chanceux de vivre ici. De vivre dans ce Canada de liberté, de sécurité, de prospérité, qui protège nos foyers et nos droits contre ceux qui l'aiment pas, comme pendant la crise d'octobre, comme pendant la conscription. Moi, je me peux plus. Je me peux plus. Puis, quand les patrioteux nous rappellent leurs vieilles histoires là, de conquête, puis de déportation des Acadiens, puis de Lord Durham, puis de rapatriement de la Constitution, mais on s'en sac-tu? Ça fait à peu près 1000 ans, ça, hein? C'est comme les femmes qui en veulent encore à leur violeur 40 ans après, tu sais. Hein? C'est, ah non, à un moment donné, il faut que tu en reviennes, faut que tu passes à autre chose, puis il faut que tu le comprennes, hein, le gars, puis il faut que tu lui pardonnes, puis éventuellement que tu le défendes, tu sais. Faut que tu le défendes, ton violeur, puis, tu sais, il aurait pu te tuer. Il aurait pu te tuer, mais il l'a pas fait. Grâce à lui, tu vis encore. Tu lui dois la vie. Ben, c'est comme la monarchie britannique puis le Canada, mes amis. Hein? Grâce à eux, les francophones, les Acadiens, les Premières Nations, on vit encore. On est bien chanceux, fait qu'on se tait, puis on marche dans le rang. Puis moi, il y a un slogan que j'aime beaucoup. Travaille, consomme, puis ferme ta gueule. Travaille, consomme, puis ferme ta gueule. Fait que les discours revanchards, ça mène à rien. Puis les appels à la liberté puis à l'indépendance, ça, c'est des vieilles affaires du 19e siècle, comme dit Justin Trudeau. Fait qu'arrivé en ville, on est en 2015, l'avenir, c'est pas au Québec que ça se passe. Mettez ça dans votre tête de patriote, espèce de petit peuple sans envergure, sans culture puis sans littérature. L'avenir, c'est d'être du bord des puissants! Think big! Hein? Puis vive la reine, vive le Canada, vive Harper, vive la loi 1651, vive la police, vive l'austérité, pardon, monsieur les policiers, et vive nos chaînes! N'est-ce pas? Bon. Plus sérieusement, bon. Je voulais dire... vive la liberté, vive la République et vive l'indépendance. C'est ça. Puis notre seule reine au Québec, c'est la démocratie puis la volonté du peuple. Et avec tout ça à quoi on assiste ces dernières années, corruption, fraude, mensonges, promesses brisées, dépossession de nos territoires, catastrophe écologique, éloignement du pouvoir des citoyens, politique de division, creusement du fossé entre les riches et les pauvres, entre le 1% puis les autres, profits faramineux des banques, évasion fiscale, difficultés de la classe moyenne, manque d'indépendance des médias, etc. Affaiblissement de la langue française, de la culture, des arts, l'austérité, avec tous les discours creux puis liberticides du genre de celui qu'on vient d'entendre. Il semble, je sais pas si vous trouvez ça, mais il semble qu'on a besoin d'un véritable élan de changement! Pensez pas!
On a besoin d'une discussion franche. Une discussion franche sur notre avenir politique. D'un projet de société d'envergure pour la suite du monde. Un projet digne, justement, de l'envergure de ce peuple français d'Amérique. Et qui se fonde sur nos consensus, sur nos valeurs, sur notre volonté de nous ressaisir collectivement. La nature profonde du patriotisme, c'est de croire en l'être humain, être fidèle au peuple, aux principes et aux institutions démocratiques. C'est demeurer vigilant face à ceux qui travaillent à altérer et à détourner notre démocratie à d'autres fins. C'est avoir le courage d'agir de manière légitime sur notre cité et de remettre périodiquement en question l'ordre établi et sa constitution et ses fondements. C'est vouloir bâtir un monde meilleur en rendant par le fait même le peuple meilleur, c'est-à-dire plus libre, plus heureux, plus juste, plus fraternel, plus solidaire. Il faut chercher notre propre salut à travers le salut de nos semblables. Trouver le juste entre la liberté et la responsabilité, ni l'idée, ni l'une, ni l'autre. On dit que les temps présents sont pas propices à débattre de grands projets collectifs ou d'idées susceptibles de nous propulser vers l'avenir. L'extraordinaire semble de moins en moins à notre portée. Au contraire, nos élites, malgré la bonne volonté de plusieurs, tendent à générer de l'ordinaire, de l'insignifiant, quand c'est pas carrément de la médiocrité. En particulier, les soi-disant vraies affaires, les vraies affaires érigées en dogme et assorties de la mièvrerie ambiante. Ça a éclipsé tout ce qu'il y avait d'intéressant dans notre démocratie. Nous, les patriotes, on en a marre de ce que nos gouvernants nous proposent. On veut du changement. Et quand il le faut, on met notre avenir et nos vies personnelles en jeu pour du changement et pour les vraies, vraies affaires. Alors, vive les vivants et bonne journée nationale des patriotes.